Bonjour les petites bulles, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi aujourd'hui ça va très bien. Donc si vous vous rappelez, la dernière fois, Geraïm nous a volé Zelda pour revenir en arrière et sauver l'être du néant. Donc là c'est parti, on va essayer de couper à la racine cette idée et donc de sauver Zelda et aussi de faire en sorte que le monstre ne revienne pas. Mais bon, je sais que ça va être très compliqué, donc courage à moi. Et courage à vous pour me voir perdre de nombreuses fois. Ah, c'est toi, Link. Geraïm a eu raison de moi. Mais ne te préoccupe pas de mon sort. Il te faut partir à sa poursuite. Il a disparu derrière la porte de devant. Tu peux encore l'arrêter. À toi. C'est parti. Avec sa petite danse de la victoire. Il me faut terminer le rituel, jusqu'à ce que le seigneur du mal soit revenu à la vie. Ne laissez pas ce sale gamin s'approcher. Vous pouvez tous y laisser votre vie, ça m'est bien égal, tant que vous gagnez du temps. Lâchez-moi. Oh non, toi tu vas me lâcher tout de suite. Les kamikazes, c'est pas mon problème. Ça commence mal, hein. Va falloir que je revienne tout à l'heure. Allez, donnez-moi vos cœurs. Si c'est pour des repères derrière, ça sert à rien.
entendu à cœur. J'en ai entendu un autre. Je vais le chercher. Hop, un petit cœur en plus. Et un petit cœur en plus. Oh putain. Voilà. J'ai récupéré ma vie à fond, mais là, c'est bon. Oh, sérieux? Mais non, sérieux? Au moins, il y a eu deux cœurs. Les archers, on va les tuer tout de suite. Directement en bas. Bah ouais, comme ça je vais les tuer en même temps. Non, ça va être chiant. Ah putain. J'allais dire le bleu c'est celui qu'il faut que je tue en priorité. Il est toujours pas mort. Il faut qu'il meure. Sinon il va en rappeler plein. L'endurance de Pacotti qui fait un peu embêté, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ah, des squelettes. Ah oui, mais non. Ça va être compliqué là. Ça, il est où celui-là qui... Ah, il est là. Oh la vache! Je suis coincé. Est mort, les deux sont morts. Ah putain, il est casse-couille. Bon, c'est pas grave. Ah, allez. Oh putain, il y a ça en plus. J'ai réussi à arriver jusqu'à là. C'était pas facile, mais on y est arrivé. Tu m'ennuies. Ah, pardon, excusez-moi. Cœurs. Moi je récupère tous les cœurs qu'on me donne. Hein. C'est gentil, te donne des cœurs à la dernière seconde au cas où. Tu arrives trop tôt, petit. Tu n'y connais visiblement rien en rituel. Alors je vais t'instruire un peu. Les rituels, ça prend du temps. Alors tu vas attendre bien gentiment. Tu as compris cette petite cloporte. C'est mon moment de gloire. Oh, et puis qu'importe. Je vais m'occuper de toi. Alors va pour le côté du jeu un peu compliqué. Mais à présent, fini de jouer. Je ne suis pas trois fois connaître la défaite face à un humain.
C'est hors de question. J'ai senti tout de suite que ça n'irait pas entre nous. J'ai été clément avec toi. Et voilà comment tu me remercies. Vois-tu, j'ai mon image de serviteur du mal à préserver. Alors j'ai fait des efforts pour toi. J'ai tout enduré avec dignité. Mais toi, tu n'as fait qu'en profiter pour me rouler dans la honte. Encore et toujours. Je ne suis pas une. L'âme émoussée au point de me laisser marcher dessus par un sale mioche dans ton genre. Je vais te faire survivre l'ultime supplice démoniaque, l'abîme sans fin. Tu seras sans saillesse et perdre la formidable puissance de mes coups, et lorsque tu seras acculé au bord du gouffre, je te précipiterai en bas. Oui, je vais t'envoyer en enfer, où tu iras mourir, nourrir le seigneur du mal. Je sais pas du tout comment ça se fait. Attends. Ça va être compliqué parce que je m'en rappelle plus comment ça se fait. Comment on joue? Sérieux là? Ça commence mal, on va dire. Ça va mettre du temps. Ah, voilà. J'ai compris. Oh, mais non, deux fois. Mais oh, pourquoi? Oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Avant de faire le dernier boss, je vais être... Mais quoi? Mais non, mais alors là, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi? Je veux juste, j'essaie de faire comme... Pas ça. Mais non! Oh, ça y est. Mais non, mais c'est quoi? Oh. Je comprends pas, c'est pas normal. Yeah.
Non, c'est un enfoiré, Link. Mais non, mais j'ai pas tapé. D'aller retourner au village. J'aurais pas trop le choix. Mais non, Link! Mais oh, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vous jure. J'ai du mal avec lui puisque ça va être contre le boss final. Parce que lui, c'est pas le boss final. Non! Non. Mais non, mais pourquoi tu tires en face? Mais oui, c'est vrai, c'est pas fini, je crois. Ouais. Mince, je pensais que c'était fini, fais chier. Je sais plus vraiment du tout comment on fait. Ah putain, lui aussi fait les... Ah mais oui, putain! C'est ça, j'avais oublié. Allez, refais-le. Merde.
Oh, raté. Je vais pas utiliser ma flèche pour faire regarder alors. Allez, balance! J'aurais pas le choix d'avoir ma flèche. Zut. Point positif, ça fait mon sport hein, parce que j'ai chaud là. Mais qui est con, lui ? Allez, fais ton éclat céleste. Petit morveux. Voilà. C'était un peu dur, hein. Il va falloir que j'aille chercher des potions. Je vais vous faire une petite hélice pour vous, une petite bulle de YouTube. Incroyable. Tu es parvenu à déjouer l'abîme sans fin. Comment ai-je pu être battu par un humain? Suis-je condamné à la défaite? Pourquoi ne puis-je te vaincre? Qui es-tu donc, petit? Mais je me vois dans l'obligation de te décevoir. Le rituel s'est achevé pendant que nous combattons. Le seigneur du mal va absorber l'âme de la déesse et pourra revenir à la vie. C'est toi qui as perdu. Le monde appartient désormais aux démons.
Vous êtes de retour, mon maître. Je fais une master swap black. Et qu'il y a Triforce dessus aussi. C'est donc toi le chevalier de la déesse. Quant à toi, c'est pathétique. Pour avoir une chance de me vaincre, tu t'es rendu humaine. Comment as-tu pu tomber aussi bas, déesse Ilia? Toi qui étais autrefois si noble et brave. Hey, bon actif! Link, Zelda va bien. Alors, toi et cet être humain, essayez de sauver la déesse. Intéressant. Je croyais que les humains étaient tous des êtres faibles, tout juste bons à gémir et pleurnicher. Vous êtes donc les descendants de ces lâches qui, au moment de se battre, se sont contentés de se cacher dans les jupes de la déesse. De plus en plus intéressant. Un humain qui ose me défier. Qu'il en soit ainsi, je t'affronterai en un lieu où nous ne serons pas dérangés, si tu en as le courage. Hé, c'est pas encore perdu! La vieille m'a dit que même si ce sale type a déjà absorbé l'âme de Zelda, on a encore du temps avant la fusion complète. Donc si tu parviens à le battre à temps, Zelda sera peut-être sauvé. Alors courage, Link. T'es le seul à pouvoir le vaincre. Tu peux en profiter si tu tiens à la vie. Montre-toi digne de ton espèce et va pleurer sur ton sort avant que je ne domine ton monde. Mais si tu as la volonté de te rebeller contre mon joug démoniaque, viens donc me rejoindre. Je t'attendrai. Ouais, bah d'abord je vais me chercher de la vie. Hein. Parce que j'ai pris tous mes popos et on va dire que ça va pas suffire. Tu peux le faire. Link. Je veux bien, mais d'abord de la vie. Et peut-être me reposer aussi. Donc je vous fais une petite hélice, les petites bulles de YouTube. A tout de suite. Bon. Ça y est, j'ai fait ce que je voulais. J'ai même un cœur en plus, donc tout va bien. Par contre, je sais plus du tout comment on le bat.
Je sais par contre que c'est très difficile, donc va falloir aller très vite. Il est possible que je meure plusieurs fois, c'est pour ça que je vais sauvegarder avant. Et je m'excuse d'avance si si je meurs plusieurs fois. Parce que c'est une probabilité. Hein. Ah non, c'est derrière, excusez-moi. Au cas où, je vais sauvegarder là. Et c'est parti. Après, s'il y a une autre sauvegarde en bas, je vais pas regarder, je la ferai en bas. Pas l'air d'y avoir de sauvegarde. Ah si, il y en a une, mais je la fais là. Donc c'est parti. Maître Fay au rapport. La probabilité qu'il vous soit impossible de quitter le combat avant d'avoir vaincu votre adversaire est de 100%. Désirez-vous engager le combat et comment? Bien, Maître Ling. Je suis de tout cœur avec vous. Bonne chance, Maître. C'est pour ça que je suis partie me chercher de la vie avant. Ainsi, tu es venu. Tu sens prêt à te battre, humain. Regarde bien autour de toi et admire, car ce sont les dernières choses sur lesquelles tes misérables yeux se poseront. Chaque coup que je te porterai soit rempli de ma haine millénaire envers les dieux. Et de la satisfaction que me procure la libération de mon pouvoir. Voyons combien de temps tu pourras tenir debout face à moi. Ne t'avise pas de mourir trop rapidement. Tu dois d'abord me distraire. Désormais, le monde m'appartient. Que tous tes misérables qui s'opposent à moi soient balayés de la surface de cette terre. Et le pouvoir suprême. La Triforce en tombera entre mes mains. Instaurons le règne éternel des démons. C'est vrai, faut pas aller trop loin. Bah ouais, mais attends. Mais c'est ça. Ça va être très dur. Putain, mais comment je suis aussi à la voir tout à l'heure? Sous arrière quand je te le demande. Ah
défense arrière. C'est pas grave. Merde. Oh, le soir hier, hein, franchement, j'ai du mal. Je vais pas y arriver. Encore là, c'est plus facile. Je joue plus souvent avec le bouclier, c'est vrai. J'ai oublié. C'est pas si bien. C'est bon. Malheureusement, j'ai perdu pas mal de vie. Là, ça va être plus dur. J'arriverai pas. Oh non, il a joué de la voir. Ça va, et sinon je recommencerai tant pis. Oh, je voulais la voir. Oh, j'arrive même plus à la voir. Bon, eh bien, c'est loupé, on recommence. J'avais prévenu hein, que c'est ce qui allait se passer. Ouais, non, je vais pas commencer comme ça. On va reprendre ma partie. Hein. Alors, attendez. Je vous reprends dans quelques minutes. Alors désolé, hein, ça risque d'être long, hein. Il est possible que je perde plusieurs fois. Mais là par contre, le truc, le fait qu'il n'a pas attaqué quand j'ai voulu faire ça, franchement ça m'a énervé. Le coup de grâce là. Donc du coup on va passer, hein. On l'a vu. Je l'ai touché. Bah, par contre, là, j'ai pas eu le temps de sauter en arrière.
une fois sur deux, ça fonctionne ça. Tiens, toujours pas... Ah, quand même. J'ai eu peur. Oh, ça n'a pas pris en compte, je chier. Mal. Faut pas que je fasse ça. Allez, l'éclair. Ah oui, non, mais si l'éclair il vient pas. Mais je sais combien là. Ah, c'est chiant. Franchement, si je perds, c'est vraiment à cause de la foudre. Non, mais deux fois. Ah, oh bah bravo, j'ai détruit mon bouclier. C'est mort. Bon, je vous reprends une fois que je serai rendu à ce passage. Ça commence mal, j'ai pas beaucoup de vie. Arrière, j'ai pas eu le temps.
je vais jamais y arriver. Ah, c'est peut-être fait exprès, oui. Oh, ce matin, je me rappelle, faut qu'il tombe trois fois pour y arriver. C'est pas de sa faute. Oh non, mais j'arriverai pas trois fois. J'arrive même pas deux fois. Je sais même pas où il est. Non, je peux pas. Je vais aller me rappeler. Et là, normalement, c'est bon. Mais non. Mais putain, mais... Non, mais là, c'est lui, hein. Oh, j'ai plus de vie après, j'ai pas envie de recommencer. J'y arriverai pas. Bon bah je vous reprends une fois que j'aurai réussi parce que ça me saoule. Désolée. Encore une fois, j'ai perdu pas mal de vie avant. Donc ça a l'air d'être mort d'avance. Hein. Je sais pas comment je vais y arriver. Hein. J'ai déjà réussi, ça c'est sûr, mais ça remonte très longtemps la dernière fois. Mais comment tu veux? En plus, il me faut après. Donc... J'arriverai pas. Je peux recommencer, hein. Dernière fée. Non mais... Là je suis obligée de prendre une potion. Enfin.
bientôt mort. Mais... j'arrive plus à mettre correct. Pourquoi l'a pas sauté? Putain, j'y arriverai pas. Ah mais ça me saoule, hein, je vous jure. Je lui demande de sauter, il saute pas. Je lui demande de faire l'épée, il veut pas. Je sais pas comment faire, hein, franchement. Je préfère vous prévenir. Je pense que c'est encore mort parce que j'ai perdu beaucoup de vie. Ça commence mal. J'arrive même pas à mettre ma putain d'épée droite. Ça l'a pas fait. Soit coupé. Peut-être que ce sera la bonne, mais j'y crois pas trop. Parce que depuis tout à l'heure, déjà si tu vises pas, si tu vises pas gamin, tu seras brûlé. Ah oui, quand même. Encore une fois, ça devrait être bon. J'espère. C'est en arrière, c'est nul. Quand même. Excusez-moi, j'ai beaucoup crié, mais je suis une rageuse, vous avez prévu. Mais c'était compliqué. Je peux vous assurer, ça m'a fait mon sport après manger. Humain, ta puissance a surpassé la mienne. Je t'en félicite, mais sache-le, ce n'est pas la fin. Ma haine, la malédiction des démons, renaîtront sans fin à travers les âges.
Ne l'oublie jamais, l'histoire se répétera. Vous, héritier du sang de la déesse et de l'âme du héros, vous ne pourrez échapper à ma malédiction. Vous errerez à jamais sur une sombre mer de sang, poursuivie par l'incarnation de ma haine. Du nom de Ganondorf. Et c'est pour ça que celui-ci est considéré comme le premier Zelda en fait en termes d'histoire. L'avatar du néant a été détruit. Le résidu de son esprit a été absorbé par l'épée de légende. Le sceau est refermé. Je te félicite, Link. Merci, Link. Tout est enfin terminé. Ouais, merci à tous les deux d'avoir participé à la naissance de la légende d'un nouveau héros, le grand Ergo. C'est une blague, hein. Ne dis pas cela, toi aussi tu as joué ton rôle, et je te remercie. Ouais, enfin, j'ai pas fait grand chose, hein. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Et puis bon, puisque tout est fini, on pourrait peut-être penser à rentrer à notre époque, non ? La vieille se faisait de la bile pour vous deux. On devrait vite aller lui montrer que tout va bien. Grande déesse Ilia, Dame Zelda, vous êtes saine et sauve. Maître, j'ai à vous parler. Vous êtes le héros qui a détruit l'avatar du néant et protégé la réincarnation de la déesse. Vous n'avez plus besoin de guide. Ma mission s'achève ici, maître. Veuillez à présent me libérer du lien qui nous unit, maître. Plantez l'épée dans son socle. Je retournerai alors à Issomélie à jamais et tout sera terminé. Vous avez rempli votre mission avec succès, maître. Accomplissez la volonté de la déesse en replaçant l'épée dans son socle. Il est temps de mettre fin à notre association, maître. Link.
La mission que la déesse m'avait confiée était de te guider jusqu'à ce que tu deviennes un héros. Il ne s'agissait à mes yeux que d'une tâche qu'il me fallait accomplir en tant qu'envoyé de la déesse. Mais à présent, notre voyage est gravé en ma mémoire comme le plus précieux des souvenirs. Link, le cœur des humains reste encore un mystère pour moi. Mais l'idée de reposer dans l'épée de légende, qui a été à la fois le début et la fin de notre voyage, crée en moi un inévitable sentiment. Je suppose que c'est ce que les humains appellent le bonheur. Maintenant que je suis libérée de ma mission, ma conscience commence déjà à s'endormir. Avant de partir, j'aimerais te dire un mot que j'ai appris pendant notre périple. Un mot que tant de gens t'ont répété. Merci. Link, mon maître. Un jour, peut-être, nos âmes se retrouveront. Et oui, on la retrouve bien dans Breath of the Wild. Parce qu'à un moment donné, on l'entend sonner. Et elle est censée nous parler. Donc peut-être que dans Tears of the Kingdom, elle nous parlera. Qui sait? Mais Impa! Pourquoi? Viens avec nous! Dame Zelda, les souvenirs de la déesse Ilia vous ont été rendus. Vous devriez comprendre. J'appartiens à cette époque. C'est vrai, mais... Retournez à votre époque. Je m'occuperai de cette porte une fois que vous serez parti. Mais tu m'as accompagné et protégé pendant tout ce temps. Je ne peux te laisser seul ici. Je t'en prie, Impa. Viens donc avec nous. Sur ordre de Hadès, Ilia, je traversais la porte du temps que pour vous protéger et tenter de sauver le monde. À présent que l'esprit de l'avatar du néant est enfermé dans l'épée, il faut quelqu'un pour veiller sur elle. Nous ne pouvons plus laisser ce monde se réveiller, ni le monde trembler sous une telle menace. De plus, c'est là le devoir qui incombe à mon clan. Nous, les Sheikha, sommes fiers d'avoir été choisis par la déesse pour remplir ce rôle. Dame Zelda, les Triforces est entre vos mains. La puissance suprême présente un grand danger, et la Triforce en vain ne doit être invoquée. Une fois que son œuvre accomplie elle aura, loin du regard des hommes, s'endormir elle devra. Ce sont les mots que vous m'avez jadis confiés sous les traits de la déesse Ilia. Vous en souvenez, n'est-ce pas? Nous nous reverrons un jour. Ha ha ha!
Vous voyez, nous nous rencontrons à nouveau. Il me parle. Merci. Merci. J'ai toujours rêvé de venir ici, de voir la terre de mes yeux, de sentir le vent sur ma peau. À présent, j'aimerais vivre ici, sentir le sol sous mes pieds, lever la tête pour voir les nuages et protéger la Triforce. Et toi, Link, que vas-tu faire? Il va rester avec elle. Vu qu'il s'aime. C'est le seul où on voit Link et Zelda finir ensemble, en fait. Eh bien, mes petites bulles, j'espère que cette aventure vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo, comme d'habitude, et d'aller voir notre YouTube pour nous aider et nous soutenir. En tout cas, je suis contente d'avoir fait cette aventure avec vous, mais désolée hein, du gros blanc qu'il y a eu pendant un certain temps. Hein, maladie oblige, mais vous inquiétez pas, j'essaierai de faire plus de vidéos prochainement.
Et j'ai hâte de vous faire le prochain Skyward Sword. Alors, je dois vous avouer, Skyward Sword, n'importe quoi. Le prochain Zelda qui va sortir, Tears of the Kingdom. Mais je vous préviens, j'ai pas vu les dernières bonnes annonces. Parce que j'ai décidé de me couper en fait de toute information sur le nouveau jeu, que ce soit le gameplay ou autre. Donc ça sera vraiment tout nouveau. Donc j'ai hâte de vous le faire, en espérant pouvoir vous le faire plus souvent que là j'ai fait avec lui. En tout cas, je suis heureuse vraiment d'avoir tout pu faire. Et puis bientôt, ce sera le Mario que je vous ferai en même temps que le prochain Zelda. Je vous fais plein de bisous, les petites bulles, et à bientôt! Bye bye!